Waouh, ça c'était du dodo en tout en douceur, tout en même temps. Hey, cucu les petits culs, comment vous allez? Et bienvenue pour ce nouvel épisode des ados parfaits. Bien sûr, nous avions encore la squatteuse. Bon, on l'a fait venir, on aime bien parce qu'on s'en prend à elle pour s'excuser derrière, pour faire remonter notre résolution de conflit. Bon, c'est un peu le bordel à la maison. Qui n'avait plus son. Ah, c'est toi. Hop, journal intime. Donc, la dernière fois, j'avais commencé l'épisode avec 5 ados parfaits et j'ai terminé l'épisode avec 4 ados parfaits. Et oui, c'est la vie, c'est pas cool, c'est Aurélie qui a perdu du contrôle des émotions. Mais Nicolas a gagné du résolution de conflit. Donc, au final, il nous reste vraiment Aurélie. Aurélie, la plus réticente, pour faire augmenter sa résolution de conflit. Donc, on va falloir mettre les bouchées doubles, tout en veillant à ce que les uns sur les autres fassent pas de conneries, pour que Mademoiselle Aurélie puisse devenir parfaite. Sinon, les enfants y grandissent dans 6 jours. On a le time. Bah, 5. Ouais, bon, on va dire 5, hein. 6, 5. Ça dépend, parce que comme je les ai fait grandir un peu. Quand ils ont eu l'empathie gagnée, effectivement. Oh, 4 jours pour Charlotte. D'accord. Bah oui, mais ça va pas être possible. Vous êtes tous en même temps. Donc tu vas. Si toi tu grandis dans 4 jours, meuf, c'est-à-dire que dans 4 jours, tout le monde grandit, hein. Je peux pas vous faire grandir avec 2 jours d'intervalle, c'est pas possible. C'est quoi de mon con? Donc voilà. Et on va aussi assister peut-être à la transformation de notre papa John, qui va devenir un vampire. Ça serait pas mal parce que. Il y a elle qui est là, donc s'il devenait vampire maintenant, on pourrait l'attaquer. Mais je crois que ça y est, elle s'en va. Je sais pas. Non, elle va faire le ménage. C'est bien! Ah non, pire! Elle joue dedans. Bon, John, si tu veux te transformer, tu es le bienvenu. Bon, bah elle s'en va. Wouh! Ça va très vite. Qui se réveillera en premier? Les paris sont ouverts. Et putain, j'ai envie de demander de fermer ici. C'est Philippe! Philippe va prendre une douche immédiatement, tout de suite. Et tu vas. Ah, mais t'es! Bah, tu vas te laver. Philippe, fais-moi voir ton compte. Bah, lui, il est nickel de partout. Donc, lui, on va, voilà, pas faire ce qu'on lui demande de faire. Mince, on avait rangé la pizza. Non, elle est vide, la pizza. Et après, tu pourras manger un truc. Non, alors. Si, oui, manger et aller aux toilettes. Effectivement, c'était ça que je voulais te faire faire. Bon, ben, comme ça, c'est fait. On va attendre les autres qui se lèvent aussi. Allez, Charlotte se lève. Charlotte, elle se dit, ouais, j'attends, moi j'ai faim et tout. Tu vas manger les céréales. Et tu vas regarder la télé en même temps. Allez, vas-y. Lui, du coup, il va pas les bouffer parce qu'elle va être dedans. Attention, 3, 2, 1. Non, ça va le faire. Yes! Cours d'Aurélie dans 1 heure. Nicolas, Cécile, Paul, Charlotte, Philippe, Louise. Ok, bon, on va réveiller un peu tout ce monde. Toi, si tu vas prendre à manger. Nicolas. Ouf, Nicolas, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aux toilettes. Nicolas! Nicolas, tu vas être lavé. Et tu vas prendre un repas rapide aussi des céréales. Et tu vas regarder la télé en même temps. Voilà. Voilà, il y en a qui se gèrent. Toi, c'est bien. Toi, tu vas te lever. Tu vas te laver. Et tu vas manger un truc. Tu t'es débrouillé. Toi, tu vas manger tout de suite quelque chose. Et toi, ouh, tu vas prendre une douche et tu vas manger. Oui, je sais. Oh, la flaque. Ah. Hop, on va remplacer parce que là, c'est plus possible. Hein. C'est crade. Mais toi, tu fais quoi là-bas à bouffer devant les toilettes? C'est au cas où c'est pas bon, tu vomis tout de suite? T'as un petit problème, hein, Philippe. C'est quoi? Tu vas nettoyer ça. Lui, il est au top, lui. Hein. Mais non.
Je veux être enfant unique. Non! C'est vrai qu'il y en a certains qui sont dans des phases là, mais on va rien dire. Discuter. Merde, elle est déjà partie, elle. Et elle n'a pas été aux toilettes ni manger. Bon, c'est pas grave. Tu vas réviser assidûment. Résolution de conflit, d'accord. Il a encore gagné tout seul, Nicolas. Mais t'as pas mangé, Nico! Tu te fous de moi? Mais c'est dégueulasse qu'il mange. Qu'est-ce que c'est que... Non. Mon papa, ça va pas. Non, papa, tu vas faire préparer le petit-déj, là. Servir le petit-déjeuner des œufs brouillés. Allez. Tu te dépêches, papa. Papa, il va bientôt manger des Sims. Il va rien comprendre. Alors, toi, tu vas réviser aussi assidûment. Ok, toi, tu vas réviser. Non. Nico, tu arrêtes ton délire, s'il te plaît. Et tu vas aller en cours maintenant que tu as remonté quand même ton truc. Elle, va en cours. Toi, va en cours. La bordel. Ah! Il y a un petit bug, un petit machin quand même. Hein. Papa, il met tellement de temps à faire à bouffer que tous ses gosses sont partis à l'école. Hein. Hop. Ouais. Oh, t'es sérieux, John? T'es aussi nul que sans cuisine, tu te fous de moi, mais t'as 10 en cuisine. Bon, mais franchement. Vous avez déjà vu ça, vous? 10 en cuisine, hein, c'est ce qu'il arrive à faire. Oh là 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 là. Tu vas essuyer. Après, tu vas acheter ça. Bon. On est tranquille. Tous les gosses sont partis à l'école. On va pouvoir bosser sur... Bah du coup, on va pas le faire. Mais si c'est dégueulasse, pourquoi tu le manges? Ah non, ça pue, d'accord. Bah non, y a rien là. C'est juste l'eau, hein. Oh ouais. Il devient vampires. Très bien, tire aux toilettes après. On éteint ça parce que la musique elle est à chier. Et après on va s'occuper de ton taf. T'as toujours pas... Non, il a toujours pas... Les ignorer. Faut que tu sois drôle avec quelqu'un. Vas-y, amusante, allez. Vas-y. On s'en fout. Vas-y tout de suite, avant qu'elle parte. Regardez-moi ces petites fleurs, c'est trop choquinet. Allez. John. Mais John. John. Dépêche-toi. Bon, bah, ils sont en train de s'améliorer eux-mêmes, les résolutions de conflit, hein, les gosses, là. Ah, voilà, 194 simflous, c'est pas énorme. 97 simflous de l'heure, hein, mais... Alors, on va augmenter la résolution de conflit. Paul. Oui. Il n'est plus de caractère responsable, comme d'habitude. Ça m'énerve. John, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. On prend une douche rapide, stop. Mais non, on s'en fout, tu avais les mains. Va te laver rapidement. Ah, ça y est. Ça y est. On y est. Alors? Oh fou le look! Mais à quoi tu ressembles? On voit pas avec tes lunettes. Bon, bon, on saura pas. Tu vas prendre une douche quand même. Maintenant, ça y est, John est vampire. Et on va pouvoir lui faire choper des petits sims qu'on va lui faire manger. Dès la nuit tombée, et il travaillera. Il travaillera, et puis voilà quoi. Eh, c'est cool d'avoir un streamer vampire, non? Vous trouvez pas? Oh, il est passé. Il est chiant, mais non, c'est bon, tu veux me casser les couilles. Hein. Allez, tu vas venir ici. Viens ici, viens ici. T'es mieux? Oui, il est mieux, il est inspiré. Il va donc jouer
en vidéo en direct. My Sims Go. Vas-y, go. Vas-y, petit John. Vas-y. C'est parti, mon kiki. Il faut que tu gagnes plein d'abos. Compétence 5 du jeu vidéo. C'est pas mal. Il travaille pas aujourd'hui? Non. Donc, effectivement, il peut bosser à faire que du streaming toute la journée. C'est cool. Il va jouer ensuite en vidéo en direct les Sims. Parce que ça gagne des abos avec ça. On va y aller toute la journée. Ou du moins, jusqu'à temps que les gosses reviennent. Parce que. Voilà, il est bien maintenant. Par contre, j'aime bien, on met un accéléré ou en mode truc normal, l'image, elle reste parfaitement la même chose. Ouais, on va laisser taffer un peu. Jusqu'à temps que les gosses reviennent. Faire des amis, faire des amis, faire des amis, faire des amis. Même s'il reste pas longtemps, au moins qu'il soit. Oh punaise, au niveau de la distraction, ça va pas du tout quoi. Il y en a, je vais les regrouper, je vais leur faire faire du baby foot, parce que là, ça va plus! Ah Nicolas doit faire. Oui! B. Alors mon dieu, qu'est-ce que j'ai vu? N'est plus compatible. Alors attends. Lui c'est bon. Elle c'est bon. Si ça y est compatible. Ah, Nicolas rejoint la game des gagnants. Ok. Oh là là, on est toujours à 5 sur 7. Aurélie. Oh là là, ils sont tous dans un état pas possible. Alors, on va. Toi, tu vas jouer. Aurélie, elle va jouer avec Cécile. Toi, ça peut encore aller. Toi, ça peut encore aller. Toi, ça va pas. Ok, alors, Paul, Nicolas, Cécile et Aurélie. Jouer avec. Alors, Nicolas, Cécile et Aurélie, vous allez jouer tous au baby foot right now. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est tout bleu? Il est mortifié. Mais non, petit. Demandez. Non, t'as pas besoin de demander conseil. Non, tu vas pas demander conseil. Oh, et je suis horrible. Ah non, elle est marre! Ça part dans tous les sens! Oh, tu vas jouer avec, tu vas jouer avec elle. Avec Louise. Allez, c'est bon, vous me cassez les pieds. Elle est plus compatissante! Mais non! J'en ai marre! Comment il marche? Comité d'accueil. Comité d'accueil. Allez. 6, 7. Ok. Ils sont tous occupés, mes gosses. Oh non, mais je suis dégoûtée. Elle a perdu de l'empathie. Et toi, arrête de râler, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Éliminer la journée. Voilà, des manières qui remontent, mais. Ok. Discuter de l'embarras, éliminer la journée. Discuter de l'embarras, ouais, peut-être. Discuter de l'embarras. Charlotte? Ah, bah, demander conseil. Ouais, j'ai son panneau d'ouvert. Elle peut perdre que de. Elle peut gagner que de contrôle des émotions, le reste elle peut perdre, on a le temps. Ah, ça y est! Louise Arde. Oh, elle a regagné de l'empathie, tant mieux. Alors, on compte. On augmente le contrôle des émotions, diminue la résolution de conflit. Augmente la résolution de conflit. Contrôle des émotions, diminue la manière. Allez. Ah, mais de ouf, comment ça diminue? Mais what? Mais de quoi? Vas-y, complimente ton daron, tu te fous de la gueule de qui là? Conversation profonde. Non mais quand même. Bon, vous amusez, vous?
Ouais, elle a regagné de l'empathie. Hein. En fait, si tu discutes. Oh là là. Si elle discute du truc, en fait, de ça, de son humeur, il gagne de l'empathie. Ça, tu vois, je savais pas. Tu vois, là, on est assez. Tu vas demander à être rassurée. Elle raconte un peu de migrante. Est-ce que les autres, ça va mieux? Ah oui, ça va, je m'en remontais. Allez, tu peux aller aux toilettes, toi. Et tu vas nettoyer aussi. Ah! Qu'il ait joué tout seul, Nicolas a battu Cécile Aurélie à plate couture 5 à 2. Pas mal, les gars. Nicolas, demandez conseil. Ouais, mais non, en fait, parce que. Non, tu vas pas demander conseil. Je ne veux pas que tu ailles demander conseil. Tu sais que les manières, non, t'es au bien au niveau manières. T'as un peu faim, mais tu vas aller courir un peu pour te vider l'esprit. Et tu reviendras ici. Toi. Ouais, toi, t'es là. Toi. Vas-y, oui, vas-y, viens. Elle est bien. Elle est remontée. Elle contrôle des émotions. Par contre, elle pue un peu. On va la faire prendre une douche. Voilà. Moi j'ai fait. B, il te faut remonter ton contrôle des émotions et ta résolution de conflit, ma cocotte. Donc ton contrôle des émotions, on va te faire écrire dans ton journal intime. Voilà. Et Aurélie, elle doit pisser sa race. Tira ici. Tira nettoyer aussi, comme ça, c'est fait. Et au niveau, il y a toujours la résolution de conflit à faire travailler. Tira, tira emmerder ton père. Tu vas évacuer ton stress. Tu vas te plaindre de problèmes. Demander une transformation. Tu vas faire quoi, toi? Non, pas de conseil! Non, non, oh, ça va aller. Non, je t'avais dit quoi? Tu vas courir. Va courir. Oh non, là, c'est bon. Comment ça a fait baisser d'un cran énorme, en fait? J'avais pas capté ça, moi. Non, mais Paul! Tu vas réparer le toilette. J'en ai marre, vous cassiez tout. Aurélie, il y a ton souffre-douleur qui est arrivé. Arrêtez de vouloir vous laver les mains. Va te détendre près de ton daron. Il faut que tu sois méchante. Tu l'embêtes. Embête ton père. Excuse-toi. Excuse-toi. Oh, regardez comme ça monte. Évacue le stress. Et toi, tu vas arrêter de jouer à My Sims Go. On va voir si ça t'a fait gagner beaucoup d'abonnés ou pas. On est à 53 000 quand même. C'est énorme. 200 abonnés! Mais c'est une blague! Meuf, tu dégages! C'est plein de gens que la vie est injuste. Tu peux lui apprendre des trucs à ta fille ou quoi? Attendez. Ok, non mais c'est bon. Allez, arrête de l'emmerder et tu vas emmerder elle. Je sais que t'aimes bien être raconter une légende urbaine. Tu vas être méchant. Tu vas l'insulter. Ça y est, t'as enfin réparé le toilette? T'es cool. Non, pas de conseils. C'est fini les conseils là, c'est bon. Tu vas regarder la télé. Qu'est-ce qui se passe là, les manières? Non, 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 non. Oh, non, 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 non. C'est bon, la dame arge, hein, mais l'empathie. Non, dis donc, la musique trop forte là. Hop, j'éteins moi. Ça suffit. Aurélie. Elle n'a pas été encore assez énervée dessus.
sa fille est comme si sportif. Elle, c'est bon. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Elle, c'est bon. Contrôle tes émotions. Elle est en train de le faire. Oui, ça monte tout seul. Yes, 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 ça remonte. Il n'y a que Aurélie. Vas-y, Aurélie, dépêche-toi. Vas-y, Aurélie, putain. Non! Marre des conseils parce que là il va diminuer en manière de ouf. Voilà, et il est plus caractère bien élevé. Et alors quand j'arrive à faire revenir Aurélie dans la team des winners, ben t'as tout le reste. Tu peux pas t'excuser, c'est une blague. Crier sûr. Essaye de calmer. Ça n'arrête pas. Essaye de se calmer. Alors attendez là. Contre... Il y a eu trop de trucs. C'est bon, t'as regagné en manière, toi. T'es où? T'es là, ok. Non mais là, faut que je sois au taquet en fait. Hein. Lui va redemander conseil. No! Non. Tu vas rien demander en conseil, tu vas faire tes devoirs. Il les a pas? Tu vas faire tes devoirs, ça va te remonter ta responsabilité, mon petit. Non, elle était pas malade, Nicolas, c'est pas vrai. Elle va remonter son empathie, c'est ok. Les autres, faudrait pas que un. Elle, c'est nickel. Tu vas faire aussi tes devoirs. Si tu vas bien, tu vas faire tes devoirs. Toi aussi. Toi, t'as besoin d'une douche. T'es tendax. Tu prends une douche. Et après. Oui, bah, il est trop tendu. Il va se détendre, moi je te le dis. Toi, est-ce que ça va mieux avec la meuf là? Je peux pas s'excuser de où? Si ça va mieux, donc on va pousser. Toi, t'as rejoint la team, hein, on est OP. Tu sais ce que tu vas faire à manger. Servir le dîner. La salade du jardin. Vas-y. Ouais. Pitre. Ok. Ok, toi. T'es nickel chrome, t'es juste fatigué de ouf. Tu vas aller aux toilettes. Et tu vas aller. Tu vas faire tes devoirs avant de coucher parce que quand même. Hop! On approche vraiment de la fin là, hein. Vous voyez que. Excuse-toi! Ah, je t'en prie, excuse-toi. Et élimine la journée. J'y suis enfin arrivée et toi tu vas essayer de donner un conseil à ta sœur si c'est possible. Non, il y a une marque mal, il y a. Ok, mais bah toi tu lui dis au revoir, hein. Demandez de partir. Et tu vas te divertir, tu vas regarder la chaîne actuelle. Oh là 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 là, c'était compliqué. Hop, vas-y, tu peux streamer, t'as gagné 200 abos, c'est pas énorme. Ouais, je suis d'accord, tu vas même mettre un même amusant, j'espère que ça va aller, tu vas jouer à Vive les Sims. T'as faim par contre. Ok. Bon, on est retourné sur un petit tour. Toi. Et tu vas faire tes devoirs. Toi. On était déjà en train de faire tes devoirs. Toi, tu vas manger. C'est nickel. Et après, tu feras tes devoirs également. Toi, tu vas lui demander des conseils. Ah non, c'est bon, il va faire ses devoirs.
Je suis en stress. Toi, ma petite, tu vas pouvoir manger. Et faire tes devoirs. Non. Pas trop mal à l'aise, mais c'est pas grave. Une fois qu'elle aura mangé, qu'elle sera divertie. Mur de notification plein. 15 000 abonnés! C'est bon ça, John! C'est cool! Là, tu pourras nettoyer ça après, Monty. Alors, est-ce que j'ai gagné là? Oh my god! Ils sont tous validés en positif. Tous les sept! Oh, j'en puis plus. J'en puis plus et franchement, j'ai qu'une envie là, c'est de les faire passer jeune adulte. Et hop, j'ai gagné, j'ai fini. J'en puis plus. Non, il va demander conseil. Je veux pas que vous demandiez conseil, c'est fini. Tu vas prendre une portion. Et tu vas aller te coucher. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, et bien tu vas les fera. Et tu iras te coucher après. Ah là, je vous jure, c'est quelque chose. Elle, elle a augmenté ses manières. Elle va faire ses devoirs et elle va aller se coucher après. Quoi, elle est dégueulasse, sa salle? Normal, elle est. Vous êtes des petites natures, hein. Papa, est-ce qu'il va mieux? On est tendu. Marathon de streaming. Eh ouais. Je suis d'accord. Bon, il a faim. Papa a faim. Papa va aller faire ses petits pouvoirs. Eh ben non, je m'en doutais que c'était une vampire celle-là. Vas-y donc. J'ai cliqué. On va. Hop! Darling. Sentirait un mec. Oh, c'est quoi cette tenue? Oh là là. Allez, John. Première victime. On fera contre Luke, hein, parce que c'est pas possible. Ah oui, il va gagner des points comme ça. Très bien. Et hop, il a gagné un point. Et voilà. Alors, est-ce qu'il fait peur? J'ai pas l'impression. Hein. Il fait pas très très peur, John, hein, en vampire. Ouh, il a les yeux verts. C'est magnifique. Hein. Il a juste, ouais, et puis, oui, bah, il est pas. C'est juste son look qui ressemble à rien, quoi, mais. On est bien. Tu vas pouvoir vendre ta toile. Et tu vas pouvoir streamer toute la nuit. Tu vas partager une photo et tu vas jouer en direct. Vive les Sims. Allez, on est reparti pour un tour. Oula, toi, ça va pas. T'es tendu. Détresse familiale, famille à proximité. Oh, mais va te coucher, ça ira mieux demain. Voilà, hein. Ça, on va le mettre dans le frigo. Ça, on va le mettre à la poubelle. Sont tous en train de faire leurs devoirs. Je fais un petit tour d'horizon. Lui, il est triste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Burke, c'est dégoûtant. Il est difficile avec la nourriture. D'accord. Mais je fais un tour d'horizon parce que j'ai peur. Et franchement, à part consolider un peu certains trucs, ouais, la manière pour Philippe sont pas géniales. Hein. Il est où? Il est là. Il va complimenter un peu sa sœur. Complimenter la tenue. Illuminer la journée. Voilà. On va. 20 abos pour John. Taquiner de manière délicieuse. Bon, les manières, complimenter la tenue aussi à sa sœur. What? Quoi l'empathie? Ah oui, ce qu'il a taquiné. Ah non, mais moi je suis au taquet là, hein, vous avez remarqué?
Les Qu'est-ce qu'il y a? manières. Essaye de réconforter. Vas-y, réconforte-le. Bon pétage. Oh lolo. Compétence malice. Je voyais, c'était très sympa. Oui, d'accord. Va te coucher un peu. Vas-y, dis pas de conneries, Paul. Philippe. Oh là là, je sais plus. Lui, il est très fatigué. Dès que t'as fini tes devoirs, Nicolas, tu pourras aller te coucher. Fais le tour de tout le monde au niveau des besoins, on est bien. Et on va. Je suis obsédée, mais c'est un peu le but de mon challenge. Mais là, on a validé. Oh, l'empathie pour elle, ça va pas quoi. Il va falloir remonter. Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle aille faire du bénévolat. Et tout le monde est validé pour l'instant. Le prochain défi, c'est de garder tous ces trucs au top. Et faut pas qu'ils demandent conseil à leur père parce que là, c'est la mort sinon. C'est la mort. On va éteindre ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais t'as faim? Soif étrange. Mais t'as déjà mangé quelqu'un? Vas-y, arrête de streamer. Tu vas nettoyer l'appart. Zéro abonné, d'accord. Bah, c'est super. Voilà, devoir terminé. Nicolas a regagné de la responsabilité. Oh, il va pas très 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 bien. Mais il est responsable, tout ça. Avec lui qui va y se coucher après. Hop. Bon, voilà, comme ça il va se détendre un peu. Tu vas ranger ça. Tu vas débarrasser ça. Papa John! Il va aller courir. Il a un petit peu de poids à perdre. Sachant qu'il est vampire maintenant, il peut que sortir la nuit. Donc. Faut pas faire autrement. Et puis, je peux pas le faire bosser parce qu'il en a marre d'internet là. Il a besoin de faire une pause. Marathon de streaming, il a trop streamé dans la journée. Ça ne sera donc pas possible pour lui. God, la tenue de sport quand il est vampire. Faudra vraiment que je leur look. Oh, le look vampire, faudra que je le refasse parce que là, on est d'accord. C'est affreux. En tout cas, les enfants parfaits, eux, sont en train de dormir, nos ados, vous avez vu. Bon, j'ai très très bien rattrapé le truc. Il faudra juste que je consolide les traits jusqu'à leur anniversaire. Effectivement, je vais tous les faire grandir en même temps, sinon ça sert à rien. Et ce sera dans quelques épisodes et le challenge prendra fin à ce moment-là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et un abonnement. Ça me fait hyper plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut!